tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va ouvrir une rétro box. Mais voilà Bernadette. Oh, t'as cru que t'allais ouvrir une rétro box sans moi, normal. Et ouais, j'ai cru. Mais c'est un truc de fou les amis. Je voulais la faire toute seule. Non, mais... voilà, elle a démarré. Ah mais t'as vraiment démarré en plus. Mais les amis, tu m'avais promis qu'on la ferait ensemble. Tu voulais pas d'un enfant supplémentaire, c'est ça? C'est ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pas Bernadette qui va ouvrir une rétro box, c'est Bernadette et Toff. Mais voilà, t'auras du mal à t'en débarrasser, Bernadette. Ah non, bah aujourd'hui les amis, comme vient de le dire Bernadette, en plus tu devrais être contente. Bah oui, t'étais contente du coup, c'est toi qui as fait le démarrage. Oui, j'étais contente, oui. Désolé les amis, en plus j'en suis essoufflé, j'ai couru exprès, j'en étais sûr qu'elle préparait quelque chose. Elle répondait pas à mes SMS, la maligne. C'est une maligne celle-ci. Je dis si elle répond pas à mon avis, il y a un coup de rétro box dans le coin les amis. Donc grosse dédicace à Génération Souvenir. Un milliard de merci pour ce cadeau, merci déjà beaucoup. Tout simplement, ouais. Qui nous offre l'amabilité, la générosité de nous offrir une rétrobox pour votre plus grand plaisir, les amis. J'espère que vous allez passer un bon moment et nous aussi hein, surtout Bernadette, elle est pressée de l'ouvrir. Bon. Ça fait deux jours que je suis quand même un petit peu, je fais genre le gars, mais je suis quand même curieux, les amis. Ouais, c'est vrai. Alors merci à Génération Souvenir, donc tous les liens sont en description les amis, la boutique et leurs réseaux sociaux, tout est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour, ils font aussi pour la fête des mères, fête des pères, la fin d'année à l'école, tiens, on est dans le thème avec les maîtresses, les maîtres, il y a tout. Années 60. Franchement, et nous, du coup, on les a découverts par hasard, hein, tout simplement sur internet, on a vu que ça existait depuis très longtemps, vous connaissez ça bien avant nous les amis. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas après commander 2-3 trucs pour ta mère et tout. Franchement, des trucs sympas pour peut-être ma mère, des D70, voilà, tranquillement. Et donc, merci aussi. Ils ont offert un petit cadeau pour les enfants. Je te laisse ouvrir. C'est pourquoi je te laisse ouvrir, parce que c'est galère à ouvrir. C'est galère. Oh non, ça va. Il y arrive. Non, mais t'as des ongles, c'est pour ça. Voilà. Moi j'en ai pas, tu sais pourquoi? Parce que je me les ronge, c'est pas bien de le faire les amis. Parce qu'elle me stresse, en fait toute la journée elle me stresse. T'es où, tu fais quoi, c'est quoi les bails, c'est quoi les projets? Je suis désolée. Ouais, elle est trop stylée. Oh, Kéran et Malo, ils vont rentrer de l'école, ils vont kiffer. Oh merci Génération Souvenir, ça fait trop plaisir, mais c'est trop mignon. Ben c'est aussi, oh, je les avais les pépites comme ça. Les amis, les pépites comme ça, je sais pas si vous voyez, graines de tournesol, on appelait ça des pépites. On allait acheter des pépites, les amis. Ça, ça pépite. Et puis, vous voyez, et puis. Oh, vous avez entendu son insulte, les amis. J'espère que, s'il vous plaît, j'espère qu'on l'entendra. J'espère qu'on l'entendra, je le coupe pas au montage. Ça pépite. Quoi? C'est toi qui pépite, si, ouais. Ça. Ah ouais, ça pépite, ça fait. Tu sais, des petits bruits. Ça, oui, ça pépite. Imite les bruits, là. Comment ça fait? Je sais pas imiter ça. Non. Il y a les soucoupes. Les soucoupes et tout, mais c'est trop stylé. Vas-y, ouvre-le en fait, on va l'ouvrir, non? Vas-y. On remet tout dedans pour qu'il n'y ait rien de mal. Ah ouais, mais non, on va mettre des miettes partout, Bernadette. Les soucoupes, les colliers. Ouais, les colliers, les sifflets. Ah, les sifflets. Eh ben, c'est bon. Les boules magiques. Ah, mais c'est trop stylé. Ah, les fils, mais ça, je kiffais. Donc, ça fait. Tiens, tu veux pas en mettre dans ta bouche pour qu'on entende le bruit? Si tu veux. T'en laisses pour les petits, hein, quand même. Pas pour les petits mois, les autres plus petits qui sont à l'école. Moi je suis un petit mais je suis pas à l'école déjà. Ça y est, j'ai fini l'école. Tom Sawyer. Oh trop bien. Prêt? Petite poudre et tout. Mais ça je me rappelle de ça, c'est vrai. Mais les amis, si vous voulez revenir en arrière, franchement. Donc nous c'est une rétrobox, on vous a pas dit. Ah bah voilà, attendez, silence. Ah, je me tais. Vas-y. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais je kiffais les boules magiques. Mais non, on va même pas le montrer à Kéran et Malo. Je le cache, hein, je le perquise, les amis. Je le perquise direct. Non, franchement, c'est sympa. C'est trop sympatoche. Truc de fou. Il y avait quoi d'autre qu'on n'a pas montré? Il y a un carambar, les amis. Mais ça, je me rappelle de ce. Ah non, j'ai pas trop connu ça. Mélodie Pop. Oh. Trop stylé. C'est une sucette qui fait de la mélodie, quoi. Oh, mais franchement, ça doit vous rappeler plein de souvenirs, les amis. C'est donc une rétrobox des années 80-90, parce que moi je suis né en 86, que des 86 dans ma team. Bernadette est née en 91, que des 91 dans sa team. Avant de faire cette petite ouverture, donc je vous invite à aller dans la description, faire un petit tour sur Génération Souvenir. Et aussi, pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, les amis, qui va bien, et vous abonner. Comme ça c'est fait, après vous pouvez savourer le reste de la vidéo. Sauf si la vidéo vous plaît pas. Si elle vous plaît pas, mettez pas les amis, hein, moi je serai comme vous. Je te laisse ouvrir. Hein. Là, il y a une petite lentille pour qu'elle rate des rétrobox, voilà. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous pouvez même mettre de la part d'eux, etc.
Donc là, ça va nous donner plein d'idées de cadeaux. Ouais. C'est toi qui me l'as présenté. Ma mère en veut une déjà. Sa mère en veut une. Donc là, après la vidéo, je vais déjà en commander une pour sa mère. On va commander en Est. Normalement, on les reçoit assez vite. Hein. C'est entre 24 et 48 heures l'envoi. Je vais commander pour la maîtresse de Malo. Déjà, de sûr, Kerian, ça va être chose. Malo, lui, il va l'emmener direct à la maîtresse. Il va lui donner limite, il va lui taper 4 bises. Malo, c'est pas la même, les amis. Kerian, pardon. Kerian, c'est pas la même. Il est un peu plus gêné. Il a envie de lui offrir un cadeau, mais un peu plus sur la retenue. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. On ouvre chacun notre tour, on prend dedans. Donc, les amis, année 80-90. Il y a peut-être des trucs qui ne vont pas nous rappeler grand-chose, pourtant on est de 80-90. Mais vous, peut-être, ça va vous rappeler des choses, donc vous nous les direz en commentaire. Donc je te laisse. Alors attends, ça se présente comment? Il faut qu'on fasse quoi? Ah non, ouais, il faut que tu pioches dedans comme ça, non? Regardez les amis, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça, donc on n'a rien vu pour le moment. Mais je crois qu'il faut que tu pioches dedans. Hein. Tu pioches comme ça, t'essayes. Ouais, tu pioches. Sans trop regarder, quoi, voilà. Bon, on va faire comme ça, les amis. Roulement de tambour! Un magazine, je pense. On a encore pas le beau temps aujourd'hui, les amis. Franchement, ah non, ça... t'as plus de souris. Oh, Jurassic Park, en plus, trop stylé. Ben ça, c'est les années 80. Ça nous évoque quelque chose, déjà, les amis. Déjà, on s'en rappelle. Eh ben attends, ça va bien servir. Ouais, franchement, ça va servir. Par contre, comment on utilise une souris? Mais... Ah, il est trop beau. Non. Les amis, je peux pas mettre ma souris sur ce tapis. Le dinosaure, il va la manger. Oh, il est marrant, le top. Ah, il est marrant, le top. Allez, à moi. Ouh, là, je sens quelque chose. J'espère que je vais piocher des trucs qui se mangent. Pardon les amis. Oh, c'était trop bien ça, les claque-doigts les amis. Les petits claque-doigts, c'est trop stylé Bernadette. J'adore. Juste un petit pour la tête. Bah attends, bah, c'est normal Bernadette, on est là, nos abonnés, faut les faire kiffer Bernadette. Sur ta tête, tiens. Non, je prends pas, non. Oh, ah, c'est moi qui nettoierai, promis. Les gars, c'est dans la merde. Les gars, je range vite parce que sinon Bernadette elle va me disputer. Donc franchement, magnifique, hein. Franchement, les petits adorent ça en plus. Forcément. 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 Ah, je sais pas si je la prends tout de suite. Ah, mais je vais peut-être la prendre, moi je sais pas de quoi tu parles. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Une pâte à prout. Oh, une pâte à prout. Ah ouais, tu. Eh ben vas-y, tu vas nous faire des proutes pendant que. Vas-y, ben vas-y. Vas-y, illustration Bernadette, allons-y. On est là pour ça, on est là pour passer un moment, les amis. Un moment fun. Un moment fun, tranquille. Grâce à Génération Souvenir. T'as pété? Mais t'as pété Bernadette? Ça chemine? Ouais! Ah bah alors ça? C'est un peu... Attends, je me concentre Bernadette. Vas-y. Je vous jure, c'est pas moi. Vas-y Bernadette. Pardon, j'ai pas pu me retenir. J'ai pas pu me retenir Bernadette. J'ai pas... Mais c'est trop sympa, c'est trop stylé! C'est excellent! Ouais, mais là, les petits... Alors, ils vont kiffer les enfants. Franchement, ils vont kiffer tout ça. C'est un truc de fou. Même ça, on peut s'en commander une petite pour leur chaîne family. Faire une petite ouverture avec eux et tout. Mais ils vont kiffer les amis. La pâte péteuse, voilà. Ah. La pâte péteuse. Ah, c'est un petit truc là. Là, c'est peut-être quelque chose qui se mange. Ah, bah le sifflet. Ah, bah voilà. Le petit sifflet. Qui se mange. Regarde, rouge à lèvres. Petit rouge à lèvres. Il me va bien celui-là. J'aurais plus mis un petit bleu arc-en-ciel, tu vois, Bernadette, aujourd'hui. Stylé. J'en ai mis un poil dans la bouche. Magnifique, franchement, joli. Tiens, on remet ça ici. Sympa. C'est quoi ça? Oh, mais je me rappelle moi de ça. T'as connu quoi? Ah ouais, ouais, j'adorais quand ma mère elle m'en achetait. Bon, je devais galérer 20 ans pour qu'on m'en achète, mais oui, c'est des petits. Mais ils vont kiffer les petits aussi, ça, on va se le faire. On a 12. C'est un petit avion à faire, les amis, franchement, sympatoche. Vas-y, fais-le. Bah, ah, on le fait direct. Vas-y, allons-y, les amis, on est là pour ça. Vas-y, tu me prends au mot. Par contre, il y a une notice. Les gars, je suis dans la merde. Il y a une notice. Ben non, c'était fastoche. Ouais, je me rappelle de ça, les petits avions. Là. Bon, l'hélice, on verra comment on la met, les amis. C'est moi qui suis pas doué. Mais en tout cas, il doit voler normalement. Normalement. Ça va. Il vole. J'y suis pas allé. Il y a eu un atterrissage. En tout cas, c'est kiffant. Les petits, ils vont adorer. Franchement, on va leur montrer ça dès qu'ils rentrent de l'école. Ils vont kiffer. Ah. What? C'est quoi? Un pins. Ah ouais? Goldorak. Tu savais que c'était Goldorak ou tu cherchais? Non. Je t'étais sûr. Goldorak, on est complémentaires. Non, mais je connais Goldorak. Ouais, tu connais. Mais là, sur le coup, ça t'a échappé. En plus, c'est en anglais. English Gold. Moi, comme je maîtrise l'anglais. Grandizer. Robert. Ouais, Goldorak. Un pins Goldorak. Ouais. Mais c'est trop beau. Club Dorothée, je regardais Goldorak. Mon frère des 70, encore plus. Il regardait beaucoup plus que moi. Moi, après, j'étais plus Dragon Ball Z, Captain Tsubasa. Magnifique, mais il est trop beau, il est trop stylé. C'est à moi? C'est toi qui as ouvert 30 fois en fait, qui a pris des trucs? Vas-y, bah, fais toute seule. Bah non! Ah oui!
Une sucette mammouth, ah bah ça c'est culte, ah bah ça existe depuis des siècles, enfin, façon de parler, les aliments, bah ça a débarqué là, alors ça c'est tout le truc qu'on débarquait, années 90, hein. C'est ça, c'est ça a débarqué années 90, ouais je pense, je suppose, moi je pense que j'étais trop petit en 89, j'avais 3 ans, 90, 4 ans, donc après, moi j'ai connu après, mais c'est normal, j'étais peu, tu vois, c'est pas à 3 ans que notre maman va nous mettre ça dans la bouche quoi, mais il y avait des plus petites aussi. Stylé, petite sucette de mammouth. Stylé. À toi, Bernadette, vas-y, fais toi plaisir. Ah, j'ai fait deux fois aussi. C'est pas, oh, vas-y, c'est pour moi. C'est toi qui voulais la taper tout seul, la boîte, hein. Tu peux te faire plaisir. Ah, du tank. Ah, mais ça, je m'en rappelle. Ah, celui-là, c'est tropical. Tu mets quoi dedans? Du lait ou de l'eau? Que de l'eau? Ah, ouais, mais on va le refaire, ça. C'est de l'eau. Merci, c'est magnifique. Sympatoche. Bah là, franchement, je pense qu'on va avoir plein de commentaires de personnes qui vont nous dire ça, ça me rappelle ça. N'hésitez pas, les amis, lâchez-vous dans les commentaires, on lira message par message. Je sais pas, moi, la pâte à proutes, on a une petite anecdote sur ça. Si vous avez des anecdotes, les amis, n'hésitez pas. Moi, à part les claques doigts que j'ai embêté les voisins, parce que nous, on les cassait carrément dans nos cages d'escalier. Vous savez, les cages qui résonnent bien d'escalier. On le faisait, mais vers 23h, minuit. Donc, les voisins, même avec ça, dans les cages d'escalier, c'est tellement chiant. Un ou deux, ça va. Mais on en faisait je sais pas combien. Et on mettait même... Bon, là, j'abuse un peu, mais on mettait des petites fumisènes. C'était pas bien de faire ça, mais on mettait des petites fumisènes en même temps. Et on pétait ça dans les cages d'escalier. Les voisins, je peux vous dire que vers 23h, minuit, c'était pas terrible. Mais franchement, c'était des bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire vous, vos petits souvenirs avec chaque truc. Si vous l'aviez, ce tapis de souris Jurassic Park aussi. Tu vas la faire, la boisson? Oui. Bon, ben, elle va faire la boisson, les amis. Et voilà. Madame la serveuse, bonjour. Oh, merci. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui? Du tank. Ah, ben, j'en veux bien, tiens. Merci, madame. C'était à quoi, le tank, là? Passion. Passion, les amis. Santé. Santé, madame. À cette belle rétrobox. Ah, c'est trop bon. Ouais, mais c'est sympa. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Ça passe crème, les gars. Je t'ai mis passion, mais c'est tropical. Pourquoi ça existe plus ces boissons? Si, ils en vendent encore. Ça existe encore, je pense. Mais c'est trop crème, Karine. On va mettre au frais là pour Karine Maloko et rendre du goûter. Là, on est l'après-midi, les amis, début d'après-midi, à l'heure où on vous parle. Karine rentre à 5h et Malo de l'école. Petit goûter, ils auront de quoi faire, les amis. Mmh. Bon, bah, après, on va pas leur faire goûter trop des bonbons non plus, mais ils vont se passer. Ça va être fait. Oui, puis ça va bien les énerver. Hein. Vous l'entendez souvent, comment ils sont un petit peu énervés. Mais oui, c'est bon. Ça passe crème, l'air d'être. C'est à moi ou à toi? À toi, je crois. Ah, là, il y a un gros truc. Ah, c'est ça que tu disais qu'on va pas prendre tout de suite? Des choux. Oh, mais ça, ouais, ils en achètent encore des comme ça. C'est ça stylé. Ouais, bah ouais, c'était cool. Mais ça avait du succès. Et franchement, je me rappelle, j'en voulais tout le temps. Moi, j'allais chez le buraliste, j'en voulais tout le temps. Le bureau de tabac, il y en avait partout en vrai. Trop stylé. Petit chewing-gum roll-up, tutti. Magnifique, franchement, trop bien. Tu veux nous l'ouvrir aussi? Elle veut tout ouvrir. Moi, j'ai envie de goûter. Ah, tu veux goûter le chewing-gum? Bah, celui-là, ouais, je sais plus quel goût il a. Ah, ouais, je veux juste le sentir, tu vois. Ah ouais, c'était ça, je m'en rappelle. Ah ouais, c'était trop stylé. Franchement, c'était trop stylé. Ouais. Avec modération, les sucreries, les amis. Avec modération. Bon, ça va, toi, t'as la ligne. Enfin, non, t'as pas la ligne comme moi, mais t'es quand même pas loin de moi. T'es quand même pas loin de mon niveau. Ah, mais ça va, là. Moi coup. Ouais, je vais sortir. Ah, bah, je vais voir tout ce qu'il y a dedans. Hein. Bon, en même temps. Oh non, mais c'est magnifique, les amis. C'est trop beau. Ils vont kiffer, les petits. Ils vont adorer de ouf. Bah, je vais l'ouvrir en entier, ça vous verrez mieux. Oh, franchement, je vais voir si ça s'ouvre ou pas. Ouais, ouais, si, il faut l'ouvrir. Oh, elle est trop belle. Bah, Dragon Ball Z, tiens, on en parlait. Puis en plus, juste avant, comme par hasard, sans le savoir, bah, je disais, Goldorak, j'ai bien connu DD70, a plus connu que moi, mon frérot. Mais j'ai plus grandi au Club Dorothée avec Dragon Ball Z, Captain Tsubasa, donc Olivier Tom. Et on en voit du Dragon Ball Z. Oh non, mais c'est trop magnifique. Elle est trop belle, la tasse. Elle est trop stylée. Les petits, je pense qu'ils vont se battre chacun leur tour pour boire dedans. Ça, c'est sûr. Ah ouais, mais elle est trop... Elle est super. Elle y a pas cru. C'était pour Bernadette, hein, les amis. Elle y a pas cru. Peut-être non, vous, vous l'y avez cru encore. Tellement je suis un bon comédien, on va dire ça comme ça. Bah, c'est à moi, du coup. J'avais senti là qu'il y avait un mug. Bon, on savait pas de quoi. C'est ça qui est bien. Parce qu'on sait que c'est un mug, mais on sait pas de quoi. T'as l'air à toi. Ça, c'est pour des soirées aussi, c'est sympa. Tu viens chez quelqu'un, tu débarques avec ça, tu te fais un petit. C'est clair. Voilà, en fonction des années. Il y a aussi des autres. Oh non, mais c'est magnifique. Oh, ils m'ont pris par les sentiments, les amis.
Ils m'ont pris par les sentiments, les amis. Ouais. La Super Nintendo première console que DD70 a acheté grâce à un morpion à 1000 francs. Il a gagné vers Noël un morpion à 1000 francs. Elle venait de sortir autour de Noël, donc 80, vous me direz l'année, les amis, dans les années 90, mais je ne sais pas quelle année c'était en tout cas. Il l'a acheté l'année là où elle est sortie, toute neuve, avec le premier Mario, c'était le Mario All-Star avec tous les Mario. Oh, on était heureux de fou, il avait gagné au morpion 1000 francs, donc je ne sais pas combien elle coûtait à l'époque, mais elle coûtait moins cher que les consoles de maintenant. Petit porte-clés, Super Nintendo manette, mais c'est trop sympa, franchement. Ouais, c'est, cool. C'est trop sympatoche. Les amis, c'est sympatoche. Cool. Franchement, c'est sympatoche. S'il y en a qui ont eu la Super Nintendo, la Super NES, les amis, dans le game. Et puis pour les années après 2000 et tout. Un petit sachet, voilà. Pour les... Ah bah oui. Ah bah tiens, encore un petit sachet de pépites, donc oui, bah c'est magnifique. Hein. Oh, c'était le kiff, ça. Par contre, nous, on aimait bien aussi, c'était le salé qu'il y avait dessus. Ah bah oui. Tu bah prenais oui. Le salé et tout, puis après, tu ouvrais, et puis tu suçais le salé, c'est ça. Franchement, magnifique. Petite pépite, bah, donc c'est ce qu'on a vu dans le cadeau supplémentaire pour les enfants. Donc merci à Génération. GénérationSouvenir.com d'avoir pensé à Karen et Malo. Alors, petit paquet de bonbons. Franchement, oui. C'est à moi ? Oui. Ouais, c'est à moi. Il reste beaucoup de choses ou pas ? Ah, il reste quand même encore quelques petits trucs. Hein. Je prends ça ? Allez, je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Véral ? Oh, bah ouais, bah ouais. Il brille en plus, c'est ça ? C'est les brillants ? Bah oui, c'est les brillants. Les yo-yo, les amis, mais ça faisait du succès. Moi, j'étais en primaire, je crois. Ouais, moi aussi. Toi aussi ? Mais pourtant, on a 5 ans d'écart. Ah, mais moi, j'ai redoublé 7 fois. Donc, du coup, les yo-yo, les amis, franchement, magnifique. Franchement, trop bien. C'était trop stylé avec la petite lumière et tout. Franchement magnifique. On va peut-être pas en faire là comme ça parce que du coup je vais faire. Alors vas-y, Marlène, vas-y, fais péter, monte sur la table et puis fais du yo-yo. Moi j'ai envie de tout tester. Vas-y, on est là pour ça, les amis. Ah, je me rappelle plus. Moi c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. D'ailleurs, c'est toi qui avais démarré la vidéo. Moi je suis arrivé à temps, mais c'est toi qui avais démarré la vidéo. Je vais me mettre comme ça. Vas-y, on va peut-être voir quelque chose. Nous le casse pas. On va pas nous le casser. Voilà, stylé. Et puis je me rappelle, on le mettait à l'envers. Tu oui, le mettais à l'envers. Tu faisais comme ça. Comme ça là. Vas-y. Vas-y. Le premier qui critique mon ventre, il va voir. Je suis svelte, les amis. Je te jure, Bernadette, que je suis svelte. Alors, attends. On le prenait. Ah, mais moi, je suis un gaffeur, je vais le péter. Bah oui. Tu vois. Ouais, voilà. Ah ouais, je mettais. Mais en fait, que c'est pire que toi, quoi. J'ai failli casser. Bon, les amis, on va le laisser parce que voilà. Si on le casse. Oh, merci. Ouais, si, ça se bloque normalement. Mais il faut bien le tenir, j'ai peur. On entend. Normalement, il se bloque et puis il claire. Mais il claire bien, hein, on le voit pas en remontant. C'est pas grave les amis, on n'est pas là pour... ça va, je l'ai pas cassé. Je l'ai pas cassé, on est... Ah oui, on est pas là. C'est le refrain de la musique de Kéréane, ça, on n'est pas là pour rigoler. C'est à toi. C'est à moi. Non, c'est moi qui ai pris le yo-yo. Ah, c'est toi. Ah, à toi, je suis perdu. Je fais genre, je me mets en mode spectateur, je sais pas ce que c'est. Ah, la main qui colle sur ma vitre. Ah ouais, mais ça c'était stylé. C'était marrant, ouais. C'était culte. Ah, puis il y a même le petit truc pour tenir avec. Ah, ça c'est bien. Ah ouais, que maintenant on en trouve beaucoup, mais sans le petit manche. C'est vrai qu'il n'y a pas de manche. Sans le petit manche. Il est tellement bien collé. En parlant de manche, les amis, je vais devoir passer le balai à cause du petit pétard là, après. On dirait pas comme ça, mais elle va être sans pitié avec moi, la Bernadette. Ah ouais. Non, avec la petite main. Tu me le mets pas sur la tête. Hein. Non. J'ai cru. Ah ouais, ah ouais, mais ça colle de ouf. Ah ouais, ça colle de ouf, ça. Ah, mais Bernadette, maintenant. Regarde, quand on était petit, on rigolait bien, on faisait des trucs comme ça. Mais maintenant, ça peut t'enlever tes impuretés. Ou les poils de chat sur les habits. Ou les poils de chat sur les habits, ouais, ça allait faire bizarre quand même. Non, je pense que... Ah ouais, mais c'est... Je vais le remettre dans le paquet. Ils vont s'amuser, les petits, avec tout ça. On va leur dire, les gars, Karen et Malo, c'était les jouets des années de... Et oui, on avait ça, on était contents. Ouais, franchement, sympatoche. Oh ben, j'arrive plus à le mettre, il me colle la main. Et un coup, il faudrait qu'on en fasse une avec Karen et Malo, parce que pour voir leur réaction des anciens jouets aussi, franchement, c'est marrant. Prends celle des années 60. Années 60, années 60. Ouais, comme ça, on sera tous, on comprendra rien du tout au délire. Oh bah, tiens, ah bah, on est dans le même thème, on est dans le même thème. Lui, il descend tout seul, c'est trop marrant. Ouais, c'est rigolo. Il descend tout seul. Petit, vous le voyez, hein, je pense, les amis. Ah oui, comme ça, c'est mieux. Pardon, Bernadette, autant pour moi. Franchement, ouais, il passe crème. Il descend tout seul les vitres. Ouais, c'est excellent. Franchement, c'est pas mal. C'est moi qui l'ai pris, celui-là. C'est moi, les amis, c'est moi. Alors, on a des petits bonbons. Allez. Attends, je vais...
Bon, écoute. Ah, bah voilà, elle m'ouvre tout, je vois tout, mais tranquille. Un stickers. Deux, vas-y, c'est quoi? Les chevaliers du Zodiac. Ah, non, chevaliers du Zodiac. Je n'ai jamais regardé. J'aurais dû dire Sailor Moon, elle aurait peut-être cru. Non, quand même. Sailor Moon. Oh, mais ils sont trop beaux. Je kiffais ça, les chevaliers du Zodiac. Ils sont sympas. Hein. Stickers déco, deux pièces. Ouais, c'est un déco, mais ils sont trop beaux. Ouais, j'avoue. Ouais. Ils sont trop beaux. Mais vous les voyez bien, les amis, hein, je pense. Ouais. Franchement, magnifique. Magnifique. Franchement, joli. Joli, Bernadette. À toi. Je crois qu'il reste plus que des petits bonbons. Ouais, il reste des petits bonbons. Voilà, bah encore un sifflet. C'est énorme ce qu'il y a dedans. Des têtes brûlées, ah bah hein, c'était culte, ça aussi ça existait, bah je pense. Oui, il me semble. Moi, de toute façon, ils peuvent pas. Je les ai connus, bah si, dans les fins des années 90, peut-être n'hésitez pas à nous dire en commentaire, les amis, têtes brûlées, c'est connu aussi. Et les petits kiffs, en plus, ils adorent ça. Et puis voilà, normalement, tout est vide, ouais. On garde juste, voilà, les amis. Boîte vraiment. On a vidé la rétrobox, mais en tout cas, boîte vraiment garnie. Sympa, franchement, sympatoche. Franchement, c'est sympa. Et puis elles sont belles, ouais. Et puis c'est vraiment sympa pour les ouvrir et tout, la petite languette, là. Genre, voilà, on inaugure la petite boîte, on ouvre. Franchement, assez sympatoche. Et puis, on a eu plein de belles choses nous ont fait revenir en arrière. Mais c'est pas pour autant que ça m'a fait repousser mes cheveux, Bernadette. Moi, je me suis dit, en revenant en arrière, j'aurais plus de cheveux. Comme quand j'étais petit, j'avais des cheveux quand même. Eh ben non, les amis. Non, rien du tout. Vas-y, bah fais-toi plaisir, Bernadette. Ouais. Écoute, vas-y. En attendant, pendant qu'elle est en train de se régaler, les amis, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'espère, on espère qu'elle vous a plu. Hein, on espère que ça vous a plu, les amis. Oui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Donc, si vous avez des petites anecdotes sur ce qu'on vous a montré, voilà, ça vous rappelle souvent des souvenirs en plus de ressortir des petits objets comme ça. Et bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la description pour générationsouvenirs.com. Tous les liens sont dans la description, je vous mets tout. Et bah, prenez soin de vous surtout. J'espère que vous avez passé un bon moment en voyant. Ne grandissez pas, c'est un piège. Ah ouais, ben oui, c'est leur devise en plus. Ne grandissez pas, c'est un piège, les amis. Trop stylé. On se quitte sur ces belles paroles, on Bernadette. On se quitte sur ces belles paroles. Ne grandis pas, Bernadette. C'est un piège, c'est un piège. Et moi, j'ai essayé, ne grossis pas, c'est un piège, mais ça ne m'a pas empêché de prendre du poids. Les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez passé un super bon moment. Nous, oui. Oui, bah nous, magnifique, hein, franchement, comment ne pas passer un bon moment? Moi, tu sais, Bernadette, que tant que je suis avec toi, même si je suis enfermé dans une grotte, je passerai toujours un bon moment. Mytho, c'est un mytho. Les amis, prenez soin de vous. On vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et une très bonne nuit. Tovlawin et Bernadette rendent l'antenne.